Bon, pour faire court, je suis un Myr, une créature magique immortelle de la forêt. Si je joins mes pouvoirs à ceux de ma sœur et nos deux parties de noix légendaires, nous sommes en mesure de lancer de puissantes magies. En revanche, cette blondasse ne veut plus m'aider. Il me faut donc récupérer les gemmes mystiques qui me permettront d'accomplir seul mes plans. J'ai envoyé la marmaille en mission au château du royaume pour récupérer les deux dernières gemmes. Après une dispute avec ma jumelle, un perso de jeu vidéo, un toon, un protagoniste de série, une grande icône geek, un Digimon, un Simpson, un Pokémon, un personnage de jeu vidéo en ligne, un Simini, sans oublier de... Qu'est-ce que tu fais encore? Bah écoute, si on regarde les autres, on peut rajouter à l'équipe tout ce qui nous passe par la tête, alors je me gêne pas, hein. Et pendant ce temps, qui travaille sur les vidéos, hein? Tu ne fais qu'une chose sur cette chaîne, c'est de vouloir rivaliser avec les autres. Laisse-les dans leur délire et arrête de tergiverser et va écrire ta prochaine vidéo. Non mais oh mais oh, non mais attends une seconde, ça s'appelle les tops de Gus Gus, c'est à moi de décider. Puis je te rappelais, oh roi casse-noisette, que les commentaires les plus favorables sont sous la seule vidéo que j'ai réalisée. Bon, tu sais quoi, Claire Chazal, ton frère va faire comme Meiko, faire ses valises. Et le jour où tu comprendras que les abonnés se moquent de ton contenu mais ne s'intéressent qu'à ton décolleté ou à ta petite personne, tu viendras me chercher pour sauver les meubles. Bon débat. J'ai planté ma tente dans le jardin. Mes neveux et nièces viennent juste de rentrer. Ça y est, il a disparu. J'ai réussi. On entend plein d'excuses injustifiées sur son absence. Mais moi, je connais la vérité. Et elle est bonne. Très bonne. Eh bien, tonton, on rêvasse. Dis-moi, tu vas bientôt faire une nouvelle vidéo? Non mais tu plaisantes, Bandit. Je te rappelle que je vis dans une tente depuis plusieurs mois. Eh bien, remonte à la maison. Tata Lisette te laissera bien rentrer. Ah ça non, elle doit bien galérer sans moi. Et c'est tant mieux. Et en plus, elle serait trop fière, sans compter que les paysans se sont bien exprimés sur le fait qu'ils la préféraient, elle. Bon, c'est pas grave, les plus grands fans suivront, les hommes ne regarderont que les tops, même Beck a disparu de toute façon. Oui, mais lui c'est différent, il a ajouté une fille à son équipe, il est foutu. Bon, revenons à nos papillons, maintenant donne-moi les gemmes manquantes. Eh bien disons que les successeurs auraient quitté Garglamia pour rejoindre un monde parallèle. Un monde Mirabelle? Non mais c'est pas possible, les scénarios de vidéo ne ressemblent plus à rien, mais moi j'arrive plus à suivre. Je crois savoir comment rejoindre ce fameux monde menstruel. Meiko! Meiko! Tu es là? Le miroir. Hein? Rapproche-toi du miroir. Meiko? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, ça! Juste la dernière caisse d'ado du nain. Je vois pas qui tu parles. Bon, je suis sur l'îlot de la Luna désormais. Je te parle à distance. Au moins j'aurai pas l'odeur. Tu peux m'aider à... rejoindre les successeurs dans le monde parallèle? Mais comment? Tu m'as volé ma gemme. Tu as besoin de celle de français française maintenant. Je me trompe? Ok, d'accord, c'est flippant. Je vais pas y aller par quatre chemins. S'il y a une personne qui en a le pouvoir, c'est la sorcière du Nord. Et justement, ce miroir lui appartenait. Avec ma magie et la sienne, je devrais pouvoir t'y envoyer. Super, alors c'est parti. Mais tu vois bien qu'il n'est pas trop en état de fonctionner là. Alors, voilà le deal. Tu le répares pour moi et je t'aide à traverser. Il manque qu'un sacré morceau quand même, il est où? Alors ça, aucune idée. Tu vas devoir chercher. Oui bah j'ai pas que ça à faire, figure-toi. J'ai une vidéo à tourner et j'ai même plus de studio. Il est hors de question que je rentre, ça ferait trop bien plaisir à ma jumelle. Oh mais pas de soucis, regarde. Oh, fichtre! Et coucou noble paysan, c'est Gus Gus. Aujourd'hui nous allons refaire le top des princesses ou héroïnes les plus... de Disney. Ariel, alors oui, son statut de sirène excuse sa tenue, mais on n'y peut rien. C'est la seule princesse que l'on voit en soutien-gorge Saint-Jacques, et c'est... une preuve de goût. On peut aussi noter que c'est la seule princesse que l'on peut apercevoir nue. Kida. Comment ne pas dire que Kida n'est pas sexy? Elle est courageuse, protectrice, aimante. La pauvre est fait d'ailleurs partie, comme Elonui, des princesses officielles Disney non reconnues par le label Disney Princesse. Que diable, noble paysan, fait honneur à Kida. Pocahontas, sûrement une héroïne Disney les plus sensualisées volontairement par Disney, aussi bien par ses formes que par la scène des jambes. Trouvez-moi une seule autre héroïne Disney ayant une scène qui mette autant en valeur des jambes. Esmeralda, bon, là on peut dire qu'il y a du monde au bac, qu'il y a du lourd. Il y a un détail incroyable donné dans certaines scènes sur ses yeux pour lui donner un regard perçant. Sans compter la scène où Quasimodo la surprend en train de se changer. Megara. Bon, les précédentes sont sensuelles, mais pas vraiment provocantes. Megara l'est réellement. Même si c'est pour faire de la manipulation, à vous de me dire votre top personnel en commentaire. Et voilà, à bientôt, noble paysan. Je compte sur votre soutien. Allez, bisous, kiss. Voilà, allez, une bonne chose de faite. Oh, il était là depuis le début. Le voilà, heureux. Approche-toi pour pouvoir voyager à travers le miroir. Je vais enfin utiliser tout l'étendue de mes pouvoirs. J'ouvre la voie, suis bien le chemin et jamais ne reviens. Thank you.
Je n'arrive pas à le croire. Je suis différent. Mais tout ici est différent. Prince Dina. Princesse Mag.